Dear Mark, you're the one with the words. But my side should be heard. Think that it's fucking absurd. You talk about me when you rap about her. All of your songs, hear about all of my wrongs. Like you never played me like Pong. Like you never went out and did nothing wrong. It's crazy forever turned into so long. Now that you're gone, I had to move on. And I'm happy with him. But I still can't pretend that I didn't go fuck with your friend. Every now and again, I be thinking of then. I be thinking that that was something I would never intend. And especially when it was me who you trusted to take all your feelings and try to remend. It's so hard to pretend I would lie in your bed, giving you head. Listen to all of the things that you said. Listen to all of the lyrics you read. You were chasing a dream, I would party instead. Et bien salut à tous les gamers, c'est Graphique. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère de tout cœur que vous pétez la forme. Bon après aujourd'hui ça va vraiment super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Hobsure Clan les amis. Après le retour ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous commenter des vidéos sur cette chaîne. Sachez aujourd'hui qu'on arrive avec une information intéressante qui risque d'être très intéressante mais sur laquelle on n'a aucun détail mis à part une photo que vous voyez actuellement. Donc comprenez que c'était extrêmement difficile à déchiffrer, ce que je n'ai même pas réussi à faire à part le petit mot anti-matter bombe. Donc sachez que le gameplay, donc c'est quand même important à présenter car c'est tout de même une double nucléaire à la Pharo réalisée par Cast en normal sur la map Combine si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ce qui est du gameplay. Donc pour mon petit sujet qui va être quand même complexe à expliquer si je peux me permettre, nous avons certainement l'arrivée d'un nouveau score streak comme vous pouvez le constater, donc anti-matter bombe. Donc en gros c'est rien à foutre des bombes hein, si on peut le dire très poliment comme je viens de vous le citer. En quoi ça consisterait, je n'en ai aucune idée, mais je peux seulement émettre des hypothèses. Et si vous avez des informations ou des hypothèses sur ce score streak, n'hésitez pas à me les dire car vraiment ça pourrait être intéressant. Car là je suis un peu en galère à essayer de savoir ce que je pourrais vous dire. À l'image un peu ça ressemble à une bombe. Donc on pourrait l'assimiler un peu à une bêtise ou autre. Mais en tout cas alors à quoi ça pourrait servir, ça serait certainement au bout de je sais pas peut-être 5, 6, 7, 8 kills. Un truc qui permet de détruire tout ce qui sera explosif sur la map. Peut-être qu'à partir du moment où l'ennemi va poser ses petites mines de PD, et bah tu vas poser ça et tout va disparaître. Bon après, ou alors ça t'immunise toi. J'en ai complètement aucune idée, mais en tout cas ce sont les premières idées qui me sont venues en voyant ce score streak. Je n'en ai pas plus d'informations dessus. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire parce que c'est vraiment assez particulier à expliquer. Alors bien entendu, on remarque un peu au design que ça fait un peu futuriste hein, si je peux me permettre. Ça fait un peu portail Skylanders, tu vois, genre où tu poses ta figurine et hop, elle apparaît en mode YOLO. Franchement, moi, ça me fait juste penser à ça ou alors, je sais pas, comme dans Star Wars où t'as les holographiques. Donc, on retourne un peu dans Star Wars. Et moi, ce que je me pose aussi la question, c'est pas souvent qu'on a des score streaks qui sont ajoutés. Vraiment pas souvent. Alors, celui-ci, s'il serait ajouté, si ça, ce n'est pas quelque chose de faux, parce qu'on n'en a pas forcément la certitude. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que, si c'est vrai, c'est pour en gros relancer le jeu ou pour nous montrer un peu ce qui va arriver sur Infinite Warfare? Parce qu'on n'a pas forcément eu de gameplay ou autre, concrètement, on n'a pas eu de bêta ou autre sur le nouveau Call of Duty qui devrait sortir d'ici la fin d'année. Donc ce serait peut-être des pistes un peu pour nous aider, pour nous donner des petites informations sur ce qui pourrait arriver prochainement, à quoi on peut s'attendre. Bon, concrètement on sait déjà qu'on peut s'attendre à une grosse douille. Après moi je dis ça mais je ne suis pas totalement sincère en disant ça. C'est-à-dire que Call of Duty Infinite Warfare je l'attends. Alors je ne l'achèterai pas dès le début ou même pas du tout parce qu'il faut savoir que depuis Advanced Warfare je n'ai acheté aucun Call of, donc Advanced Warfare ni Black Ops 3 je ne les ai pas. Donc pour ma part ça me manque vraiment pas, ce sont des jeux que je n'ai pas du tout apprécié pour le peu que j'y ai joué et du coup ça ne me manque pas du tout. Donc moi je suis pressé de voir les gameplays, les avis des gens. Sachez que c'est sur YouTube, beaucoup de gens prennent l'avis des youtubeurs comme argent comptant. Et c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas parce que demain que je vous dis que Infinite Warfare c'est de la grosse chiasse qu'il faut surtout pas que vous l'achetiez. Chacun a son avis différent, c'est comme les goûts et les couleurs comme on le dit souvent. Comme si demain votre couleur préférée c'est le bleu, moi je vous dis bah non, le bleu c'est moche, le marron chiasse c'est encore plus joli. Je vais te mettre à aimer le marron chiasse parce que voilà, on est youtubeur et faut plus nous écouter. C'est rien du tout de tout ça les amis. Franchement, faut qu'on prenne le temps, se laisser le temps de donner d'avoir notre propre avis sur ce qu'on constate. Donc en tout cas, voilà, je m'éloigne un peu de mon sujet principal. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter cette petite news sur le anti-matter bomb. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis désolé parce que forcément ce ne sont pas des explications très claires que j'aurais pu vous donner, c'est pas quelque chose de précis, j'ai pas eu d'informations plus que cette image. Donc en tout cas j'espère ne pas vous avoir trop déçu sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée comme d'habitude et une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.